vient te parler. La forme du plan qui est chez nous là. Coucou mes amours. Ah là là, une petite vidéo dédicace. Si vous aimez ma perruque, mettez assez de cœur. Je vous dis qui a confectionné cette perruque-là pour Lolo Beauté. Oh là 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 là. Je vous ai dit que j'ai une seule coiffeuse ici à Paris. Elle s'appelle Mariam VIP du côté de Château Rouge. Oui, tranquille. Je suis toute belle. En principe, je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je vais lui faire une dédicace à Mariam VIP. Je vais vous donner son numéro avant de terminer, avant de commencer mon direct. Voilà. Toutes les personnes qui sont ici en Europe, qui veulent se coiffer, qui veulent faire des perruques de ce genre comme tout autre, je vous donne le numéro de ma coiffeuse personnelle, celle qui a le droit et le cachet de toucher la tête de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. C'est le 07 53 59 05 34, côté de Château Rouge, tranquillement, tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Oh oui, vous adorez ma coiffure. Oh non, tranquille. Je suis une présidente. Et en tant que présidente, je dois me mettre bien. Tranquille, la go crayon. Voilà, au thé métissé. Il y a des personnes qui m'écrivent beaucoup pour commander mes produits. Voilà, je vous dis. On a attrapé un voleur aujourd'hui. Oui. On a attrapé un voleur. Ça, c'est affairage. Je ne savais pas que quand Lolo Beauté quittait dans la vie de certaines personnes, en tout cas, il y a déluge. Tranquillement, tranquille. On a attrapé un voleur qui se faisait passer pour le livreur de Lolo Beauté. Tranquillement. On l'a attrapé. Donc, toutes les personnes, si ce n'est pas Lolo Beauté qui vous livre votre produit, si vous croisez quelqu'un qui vous dit « Oui, je l'ai produit de Lolo Beauté », c'est un voleur. J'ai sa pièce d'identité et son adresse. Tranquillement. Je ne vais pas trop faire Oui, Goumet, c'est comme Carrie. Tranquille. L'ex-livreur de Lolo Beauté ne livre plus les produits de Lolo Beauté. Celui que vous avez connu qui livrait les produits de Lolo Beauté ne livre plus les produits de Lolo Beauté. Aujourd'hui, on l'a attrapé en train de livrer une gamme. On ne sait pas d'où il a enlevé cette gamme-là. Le monsieur a commencé à crier « Oh, voleur, oh, voleur !» J'ai dit « Mais il y a quoi, monsieur ?» On dit « Faut plus livrer. On t'a chassé, assieds-toi. » La fille est en train de tuer certaines personnes à Paris ici, tranquillement. Voleur de produits. Tranquille. Donc, toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337-69-84-12-27. 00337. Moi-même, j'ai pitié. Mon ami, si tu as faim, faut dire, ah Lolo Beauté, j'ai faim, je vais te donner de l'argent. Tu as besoin d'aller escroquer. Ici en Europe, là, on n'escroque pas. On ne vole pas. Si tu as volé, le monsieur, il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit, ton livreur d'avant là, vient de me livrer un produit là. Dès que j'ai vu, j'ai su que ce n'est pas pour toi. Je le rappelle pour lui dire, n'a qu'à me donner mon argent. Mon ami, 250 euros, ce n'est pas rien. Tranquille. On t'a déjà attrapé pour un fausseur. Mais voleur, pour mettre encore sur ton dossier, c'est encore grave. Vous savez pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour ne pas que mes clients tombent dans la main d'un arnaqueur. Laetitia dit, oh honte, oh honte. Les hommes de Paris, là, si vous avez faim, là, pardonnez, changez un peu votre vie. Tranquille. Monsieur Koné ne livre plus mes produits. Donc, si vous le voyez, vous l'appelez, il vous livre un produit, ce n'est pas les produits de Lolo Beauté. La fée est en train de tuer certaines personnes. Eh, Val,
toi aussi en direct comme ça, tu viens me donner l'argent comme ça. Elle a besoin de quoi? 10 euros. 10 euros. La fée est en train de tuer certaines personnes, oui. Je vous ai dit dans Paris ici, là, foutez-moi la paix. Voilà. Je suis maintenant une présidente de Chisa. Je ne traîne plus maintenant dans vos conneries là. Donc arrêtez. Si tu as connais, si tu as faim, faut du lolo beauté, j'ai faim. Viens, mais il faut nous donner au moins quelque chose. Moi et ma famille, on va manger. Mais pas la peine d'aller escroquer mes clients. Les clients là, lui aime la silencieuse. On vient de l'attraper tout à l'heure. Même pas 10 minutes, il vient d'aller livrer un monsieur. Il dit au monsieur là, va encaisser, il te donner son adresse. Tu vas chez lui pour aller encaisser ton argent. Parce que si la faim te prend, ça te tue, faut dire donne-moi. Je suis une femme très généreuse. Je suis une femme très généreuse. Moi là, quand mes relations finissent là, je ne suis pas méchante. Si tu as un problème de 250 euros, faut dire lolo beauté, moi et ma famille, on a faim. On a besoin de 250 euros. Il faut nous prêter ça. Je vais vous donner, ça me coûte quoi? Voilà, je suis en train de faire ma recette du jour. Ça me coûte quoi d'enlever 250 euros pour vous donner? Si je fais ce direct-là, c'est pour parce que je me méfie maintenant de certaines personnes. Voleurs, en tout cas, franchement, j'ai peur de ça. Tranquillement, tranquille. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez besoin des produits, Lolo Beauté, parce que quand j'ai voyagé, c'est M. Kone qui livrait mes produits. Il y a des produits que les clientes n'ont pas reçus. Donc, c'est revenu chez lui à la maison. Peut-être que c'est ça qu'il est en train de livrer dans le silence. Ma chérie, jusqu'à preuve du contraire, personne ne connaît avec qui je vis, avec qui je fais enfant. Je ne vous ai jamais dit avec qui je fais enfant. Tranquillement, tranquille. Donc, si vous avez faim, là, enlevez mon nom dans votre bouche. Tranquillement. On vient de l'attraper en plein délit de vol. 250 euros. Je viens le dire en direct pour ne pas que quand une cliente va utiliser un produit, que ça va gâter sa peau, ils vont venir porter plainte contre moi ici pour dire Lolo Beauté, voilà, telle personne est venue me livrer tes produits. Aujourd'hui, j'ai couru ça, j'ai démangeaison. Comme c'est lui qui livrait tes produits, donc on a eu confiance. Plus personne ne livre mes produits. J'ai une adresse. Quand je donne cette adresse, vous venez à l'adresse. On vous sert tranquillement, tranquille. Nina Mariam, c'est avec ton mari que j'ai fait enfant. Tu ne sais même pas avec qui j'ai fait enfant. Donc, sur ce côté-là, taisez-vous. Voleur, moi, je ne connais pas. Je suis une femme. Je suis une femme responsable et respectable. Oui, jolie teint. Je suis une femme jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai jamais volé une cliente. Je n'ai jamais menti à une cliente. Je suis quelqu'un, mon business, je ne joue pas avec ça. Je suis en train de protéger tout ici, c'est de l'argent. Donc, je ne veux pas qu'un voleur passe derrière et puis venir dire que oui, je vends les produits de Lolo Beauté. Or, ce n'est pas les produits de Lolo Beauté. C'est un voleur bien déguisé qui va vous voler. 07 69 84 12 27. C'est le seul numéro de Lolo Beauté qui est habilité à vous vendre les produits. Souvent, ici, on est en Europe. Souvent, on ne prend pas des responsabilités pour parler de certaines choses. Et puis après, ça nous rattrape. On dit, Lolo Beauté a volé mari des gens. Bon, on a chassé maintenant mari des gens. On a pris les choses en main. Mari des gens, quoi, est devenu voleur. Donc, pardonnez. Tranquillement, tranquille. Dans ma vie, là, je n'ai pas besoin d'un voleur. Tranquille. Voilà, j'ai les preuves. Le monsieur aussi a les preuves. Parce qu'il a tout. Tous les messages sont là. Si quelqu'un me dit que oui, je n'ai pas volé, les preuves sont dans mon téléphone. Arrêtez d'aller anarquer mes clients. Je n'aime pas les foutaises. Tranquille. Les clientes là, c'est parce qu'elles ont confiance en moi qu'elles viennent payer mes produits. Le produit, quand ça gâte la peau, une cliente peut porter plainte. Ce que vous ne savez pas. Et elle a raison de porter plainte. Tu vas nous montrer le certificat qui t'autorise à vendre les produits. Donc, sur ce coup-là, je ne plaisante pas. Parce que si M. Kone et sa famille veulent devenir des gangsters ici à Paris, je m'en lave les mains. Tranquillement, tranquille. Je ne vous ai pas envoyé d'aller vendre mes produits. C'est vous qui dites qu'on vole mari des gens. Je ne savais pas que c'est moi qui vous nourrissais ici en Europe. La fée a commencé, vous partez voler produits pour dire que vous livrez des produits. Non, souvent, ne blaguez pas. Je suis une star. Une
Voilà, arrête de rire. Mes amis sont morts de rire. C'est tellement que moi, je suis choquée. Je suis une star internationale. Et je suis une grouilleuse. Je préfère que quelqu'un me demande de l'argent que de se faire passer pour un voleur. Tranquille. Le vol, je ne tolère pas. Non, le vol là, moi, je ne tolère pas. Quelqu'un ici en Europe enlève 250 euros pour payer un produit. 250 euros, vous savez, ça fait ça salaire de quelqu'un à Abidjan. Donc, la personne qui enlève 250 euros pour payer un produit, mon ami, c'est pas n'importe qui. Donc, monsieur Kone, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes d'aller arnaquer mes clients. Tranquillement, tranquille. Tu arrêtes. Je suis très calme. Vous voyez, je viens de porter une perruque de Mariam VIP pour vous dire que je suis jolie. Eh ma chérie, depuis hier, je vous ai dit que je cherche buzz. Le Seigneur a écouté mes prières. Il a dit, Lolo Beauté, n'écris pas trop. Ton voleur est à côté de toi, il va te donner buzz. Aujourd'hui, j'attends buzz. Tout buzz est prêt à prendre. Moi, je suis une star. Donc, ma vie est sur Internet. Donc, si quelqu'un est voleur à côté de moi, je mets sur Internet. Mais t'as assez de cœur. Tu es voleur, je t'attrape, je mets sur Internet. Tranquillement, tranquille. Tu imagines, quelqu'un prend un produit sans donner au nom de Lolo Beauté. Et puis, le produit garde sa peau. Ma chérie, c'est pas moi qui vous ai donné. Si quelqu'un se fait passer pour Lolo Beauté et puis pour venir vendre ses produits, que c'est pas Lolo Beauté même qui vous a dit appeler ce numéro, c'est à votre risque et péril. L'honnêteté, c'est très important. Je préfère que tu me demandes de l'argent que d'aller voler des clients. Si tu as besoin d'argent, Lolo, j'ai besoin d'argent, viens. Tu vas prendre l'argent pour aller nourrir. Arrêtez de voler. Je suis une femme très honnête. Le vol, je ne pardonne pas. On dit un menteur, c'est un voleur. Donc, on a attrapé voleur aujourd'hui. Je vais exposer parce qu'il s'agit de mon business. Et quand il s'agit de mon business, ma chérie, je ne m'amuse pas à ça. Parce que c'est grâce aux pommades que je suis Lolo Beauté. C'est grâce au tcha que aujourd'hui les personnes me respectent. Que je paye l'école de mes enfants. Je nourris mes enfants. Je les achète des vêtements de marque. Parce que je donne des bons produits aux clientes. Et j'ai un nom que je dois protéger. Donc si j'attrape un voleur à côté de moi, je viens, je t'expose. Tranquillement, tranquille. Vous êtes ici en Europe, ici, des bandes de voleurs comme cela. Vous pensez, quand nous on parle là, fermez votre gueule. Tranquille. Quand nous on parle là, fermez votre gueule. La pauvreté est en train de vous tuer là-bas. J'avais dit que je ne parlerai même plus dans votre affaire. Vous m'avez écrit jusqu'en jeudi, je ne vous réponds pas. Donc arrêtez, si vous avez faim, demandez-moi de l'argent. Je vais vous en donner. Mais aller voler mes clients, ça je ne tolère pas. Parce que si un client a un problème, il va venir dire, oui Lolo Beauté, c'est ton produit, tu m'as donné. Et puis, il y a eu des problèmes. Donc il faut qu'on soit clair dessus. Ce n'est pas que Lolo Beauté est en train d'exposer M. Kone. Non, si M. Kone a volé, je viens dire qu'il a volé. Je ne sais pas quel produit il allait donner à quelqu'un. S'il a mis de l'acide dedans, je n'en sais rien. Le produit n'est pas quitté chez moi à la maison. Donc, il peut mettre de l'acide dedans pour aller donner à quelqu'un pour que la personne ait des problèmes. Ma chérie, ils vont dire que c'est Lolo Beauté. Or, ce n'est pas Lolo Beauté. Donc, dès aujourd'hui, je vous dis que c'est Lolo Beauté seul qui vend ses produits ici en Europe. Si ce n'est pas Lolo Beauté, ne donnez pas votre argent à qui que ce soit. Si ce monsieur vous appelle pour vous dire qu'il a des produits de Lolo Beauté, appelez-moi. Je vais vous donner son adresse. Vous allez aller l'encaisser chez lui à la maison là-bas. Tranquillement, tranquille. Moi, je ne suis pas dans on dit, on est ceci, on est cela, on y a. Non, moi, je suis une femme très directe. Je dis aux femmes de se lever chaque matin, d'aller travailler. Tu ne peux pas avoir un homme voleur à côté de toi. Toi, tu t'en travailles, lui, il vole. Non. Aujourd'hui, les hommes, quand tu prends un homme, il doit être prêt à te soutenir. Mais un homme voleur ou bien femme voleur à côté de toi, c'est très dangereux. Surtout quand tu fais les affaires. Faites attention. C'est très dangereux. J'ai attrapé aujourd'hui, voilà pourquoi je viens et puis j'en parle. Monsieur Kone ne livre plus mes produits. Il ne détient même plus mes produits. Donc s'il vous fait croire qu'il est un produit, ma chérie, il va te donner acide. Tu vas avoir le corps brûlé, ma chérie, tu vas revenir chez moi encore payer produit 1000 euros pour réparer ton corps. Tranquillement, tranquille. Le seul numéro de Lolo Beauté, c'est le 00337 69
84 12 27. Les produits ne sont pas encore disponibles au Maroc, mais très bientôt. Les produits sont disponibles aux États-Unis. Tranquillement, tranquille. Les produits sont disponibles chez M, la silencieuse, Madame Sanogo, aux États-Unis. Elle détient mes produits. Et si je vous dis, allez-y payer les produits avec Madame Sanogo, c'est que c'est avec Madame Sanogo. Les gens d'aujourd'hui sont devenus très malhonnêtes, c'est tout ici en Europe. Si ton salaire de gardien ne te suffit pas, dis Lolo Beauté, prête-moi de l'argent, je vais en faire. Parce que tous ceux qui ont marché avec moi, ils savent comment je fonctionne. Je ne suis pas quelqu'un qui est méchante. Toutes les personnes qui m'ont demandé crédit ici en Europe, que je ne vais pas citer le nom, tu viens me demander crédit, si j'ai la possibilité, je peux t'aider, je vais le faire. Mais voler, je ne tolère pas ça. Quand il y a voler à côté de toi, c'est un démon et un sorcier. Attention, je ne tolère pas ça. Tranquille. J'ai cherché un buzz où vous êtes venu me donner buzz ce matin là. Qu'au voleur de 250 euros. Voilà. Vous parlez mari voleur. Ça là, en tout cas, je prends ça et puis je fais sa livraison. Tranquillement, tranquille. Donc voilà. Le numéro de M, la silencieuse, elle-même, elle est en train de mettre son numéro. C'est le 347. Le numéro de M, la silencieuse, celle qui vend mes produits aux États-Unis, la seule qui vend aux États-Unis, c'est le 347 33 29 126. Elle s'appelle elle, son Facebook, c'est M, la silencieuse. C'est elle seule qui vend les produits de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Vous savez, la peau là, c'est très délicat. Il y a certaines choses, on ne joue pas à ça. La peau est très délicate. Quand tu fais les produits, c'est un domaine très délicat. Je ne joue pas à mes produits. Voilà pourquoi je parle souvent très mal aux femmes. Parce que quand une femme vient se confier à toi, c'est comme si elle te donne son âme. Imaginez une femme qui a le visage brûlé. Elle n'est plus elle-même. Elle perd de sa personnalité. Elle n'est plus elle-même. Mais imaginez cette femme qui a le visage brûlé. Lolo Beauté la traite et elle gagne une peau, une belle peau. Elle est jolie. Vous allez voir que cette femme-là va s'affirmer. Cette femme-là sera jolie. Cette femme-là va prendre confiance en elle. Mais imaginez, tu vends des mauvais produits. Tu brûles la peau des gens. Mais est-ce que les gens vont avoir confiance en toi? Depuis que moi je vends les produits, il n'y a pas une qui va venir dire que oui, Lolo, j'ai payé produit avec toi, mon corps est brûlé. Jamais. C'est des produits faits à base d'acide de fruits. Plus naturel, tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, arrêtez. Il y a des choses, ceux qui prenaient défense de connaître de famille, quoi là. Oh Dieu, vous apprend que c'est un voleur. Il a volé 250 euros aujourd'hui. Tranquillement, tranquille, avec des preuves à l'appui. Je ne rentre pas dans ce genre de choses-là. Après, demain, vous allez venir dire que oui, Lolo est ceci, Lolo est cela. Je suis dans une relation pieuse. Mon chéri m'a dit, bébé, dénonce. L'amour que j'ai pour toi est grand. Dénonce pour me prouver que tu ne traînes plus avec la camelote. Donc, je dénonce. Tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, c'était Lolo Beauté. Voilà. Je suis là pour dénoncer. Voleur. Voleur, c'est voleur. La peau, et vous deux, arrêtez de rire là-bas. La peau, c'est très délicat. Pourquoi je fais cette vidéo, je vous le dis. Oui, vous aimez bim bam, devenir par là, faire des bim bam, bim bam bam. Vous aimez trop faire des sexes. Tu veux te donner, tu veux exercer dans le domaine cosmétique. Il faut être véridique. Il faut être droit. Il faut être correct. Parce que dans le milieu du cosmétique, si tu n'es pas honnête, ma chérie, ta carrière va être détruite. Tranquille. Les clientes, aujourd'hui, elles m'expédient leur argent par Western Union, Moneygram. Toutes celles qui m'envoient leur argent, j'ai toujours expédié leur produit avec preuve à l'appui. Parce que quand tu m'envoies ton argent, tu dis Lolo Beauté, je t'ai envoyé de l'argent, tu as retiré. Qu'est-ce qui prouve que tu m'as envoyé mes produits? Je te montre en même temps ton numéro de suivi avec l'adresse où est marqué tout que ton produit a été posté. C'est comme ça que je travaille. Tranquillement, tranquille, dans l'honnêteté. Qui gagne de l'argent malhonnête ne profite jamais. C'est une délivrance publique. Donc arrêtez. Je n'aime pas ça. Tu as faim? Faut dire j'ai faim. Il y a l'argent ici. Au moins, je ne sais pas si vous avez besoin d'argent pour faire quoi que ce soit, ou bien anniversaire, ou bien quoi que ce soit. J'ai l'argent ici, j'ai toujours tout financé. Tu viens, j'ai faim, je te donne de l'argent, tranquille.
Je suis maman bonheur. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez. Tu as faim, tu n'as pas l'argent. Lolo, tu ne peux pas me prêter de l'argent. Payer, c'est que tu ne peux jamais rembourser. Payer ton salaire ne te permet pas. Je vais te prêter. Moi, mais je sais que je prête, mais je sais que c'est un don. Tranquillement, tranquille. Donc, voilà. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez pas dit que vous aimez Buzz. Moi, je vais venir vous donner Buzz. Tranquillement, tranquille. Voilà. Kevin dit, j'ai faim. Toi, tu as quelle faim? Dieu t'a donné deux bras, va travailler. Voilà pourquoi je dis aux femmes d'aller travailler, d'aller chercher leur argent. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à tout pour une femme qui a de l'argent. Prêts à s'humilier pour une femme qui a de l'argent. Donc aujourd'hui, une femme, si tu veux être digne, il faut chercher ton argent de manière honnête et de manière fière. Moi, Lolo Beauté, je suis fière. Je vends mes produits avec fierté parce que je sais que de mes ventes-là, je paye ma maison, je m'habille. Un garçon ne peut pas venir faire malin sur moi parce que tu vas venir me dire quoi? Tu parles un. En tout cas, je te respecte parce que tu es homme. Mais il ne faut pas venir rentrer dans mes 16 mètres parce que j'ai été déposé tout près ici pour dire qu'il y a quoi? Il y a quoi? Tes poches sont trouées et puis toi, tu parles aussi beaucoup. Tranquillement, tranquille. Donc, les défenseurs, ceux qui ont chargé à faire là sur les têtes, là, déchargé, pour vous dire que Lolo Beauté reste l'unique femme qui parle la vérité. Tranquillement, tranquille. Je n'aime, dans ma vie, je n'aime pas voleur, menteur. Les deux choses-là, je n'aime pas ça. Je préfère que tu demandes qu'on te donne. C'est très important. Un monsieur, c'est un monsieur qui est venu payer pommade. Un monsieur, un homme qui est venu payer pommade, 250 euros. Toi, tu es garçon, puis tu t'en volais ton ami garçon. 250 euros. Allez-y, vous boxez là-bas, tranquillement. Ça veut dire quoi, ça? Arrêtez de voler. Tranquillement, tranquille, on t'a rendu un peu star. Faut commencer à breaker les femmes. Toi, tu t'en vas voler ton ami garçon. Ou bien tu es devenu PD ou quoi. Oui, au moins même, je ne comprends pas. Tranquillement, tranquille. Les produits des États, les produits de l'Afrique. Celles qui s'occupent des produits de l'Afrique, c'est le 00 225 47 46 44 79. Tranquillement, tranquille. Non, je ne laisse pas. Parce que vous, les gens de Facebook, vous êtes les plus affairés. Demain, quand il y aura une peau d'une cliente qui sera gâtée, quand j'ai venu faire un direct pour dire que ce n'est pas moi qui l'ai vendu, tu vas vous aller dire ici que oui, c'est faux. C'est telle personne qui livrait les produits de Lolo Beauté n'est jamais venue nous dire en public qu'il ne vend plus ses produits. Donc, jusqu'à preuve du contraire, si c'est lui égal à Lolo Beauté, je vous annonce que Facebook, les vidéos restent. Monsieur Kone ne vend plus mes produits il y a très longtemps. Donc, la personne qui s'en confiait sa peau, ça a tes risques et périls. Si tu veux avoir du javel sur ton corps, allez, vas-y. Tranquillement, tranquille. Voilà, je suis une femme véridique. Et quand tu es public, il faut être direct. Aujourd'hui, on a attrapé. Peut-être qu'il y a plusieurs femmes qui se sont fait arnaquer. Donc, je vous dis, dès à présent, M. Kone ne vend plus mes produits. Donc, si vous partez payer produit à lui, c'est du spam. Tranquillement, tranquille. Attention! Je dis mes vérités. Parce que quand quelqu'un se cache derrière ton image pour aller dire que je vends produit de tel, c'est du vol et usurpation d'identité. Valdons-moi le mot. C'est ça, non? Usurpation d'identité. Je peux porter plainte. Oui, je connais mes droits maintenant. Je vais porter plainte à l'usurpateur d'identité. Tranquille. Il dit... Prési, laisse le bandit. Non, je le laisse parce que même si il a fait quoi? Il n'y a pas l'argent. À Paris, ici, c'est dur. Mais si tu n'as pas l'argent, demande, je vais te donner, tranquille. Mais tu t'en volé ton ami garçon. Voleur, c'est pas bon, hein? Je préfère avoir un mari menteur qu'un mari voleur. Père, la nuit, il va venir fouiller dans ton sac pour enlever tout ton argent. On dirait que mon argent qui disparaissait ici, là. Mon argent disparaissait parce que c'est vrai. Oh. Moi, quand je dépose l'argent, je ne compte pas. Oh, il y avait un gros rat à la maison ici qui piquait mes héros. Non, je plaisante. C'est pour aujourd'hui l'on a attrapé. Il ne faut pas venir mettre au délit. C'est pour aujourd'hui j'ai attrapé, donc c'est pour aujourd'hui je parle. Les femmes, soyez courageuses. Ne laissez pas un homme vous dire que vous n'êtes pas né pour réussir. Tu es né pour réussir. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour être une femme distinguée. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne suis pas venue sur Internet pour pouvoir vivre de buzz. Je suis une femme, je n'aime pas le buzz. J'en crée, tranquillement, tranquille. Et quand j'en crée, ça tombe juste. Parce que dans ma vie, il n'existe pas de mensonge. Il n'existe pas
de voleurs. Il n'existe pas de fauchetron. Tranquillement, tranquille. Donc, attention. Je vous donne encore le numéro de Mariam VIP. Mariam VIP a eu affaire aujourd'hui. C'est juste que dans son magasin, ils sont modérés. On a eu voleurs. Donc, le numéro de Mariam VIP pour vous faire de belles perruques, comme celles que Lolo Beauté porte, tranquillement, c'est le 07 53 59 05 34. Tranquillement, tranquille. C'est le numéro de ma copine VIP. Elle va vous faire de belles perruques parce que nous, les femmes, on aime bien ça. On aime se sentir jolie, belle et tout ça. C'est très important. J'adore la perruque que tu m'as envoyée, Mariam VIP. Voilà, c'est hier, elle a fait cette perruque-là. Voilà, c'est très joli. Vous savez, une femme doit prendre soin d'elle. Bon, arrêtons de parler des pauvres. On va parler de bonnes choses. Une femme doit prendre soin d'elle. Vous voyez, il y a des femmes, quand elles accouchent, elles se négligent. Elles ne prennent plus soin d'elles. Moi, Lolo Beauté, même étant enceinte, je prends soin de moi. Oui, Colette Nana. Le numéro 07 53 59 05 34. Colette, on a attrapé voleur. Je t'explique ça tout à l'heure. Tranquillement. Affairage d'aujourd'hui. Oui, j'adore affairage. J'adore affairage. C'est comme ça les gens de Facebook. Quand on dit affairage. Ouh, affairage, affairage. Tranquille. Au pas perdu, tu vas quitter ici pour ton main. Donc, une femme doit se sentir belle. Soit se sentir élégante. Ma chérie, tu n'as pas besoin de grands moyens pour te sentir propre dans ta poche. Pardon, je dis dans ta poche, tellement j'aime l'argent. Tu dois te sentir propre dans ta peau. Tranquillement, tranquille. Mais cette vidéo de propreté, là, j'ai parlé de ça une autre fois. Tranquille. Comment même masser les seins et tout ça, là? Il y a des personnes de nature, ils ont gros seins. Oui, Kevin, comment tu as su ça? De toute façon, je tournais la perruque, même a commencé à bouger sur moi. Fallait pas que ça tombe. Tu ne vois pas cheveux jaunes que j'ai mis en bas là-bas. Tranquillement, tranquille. Voilà. Mais vous ne vous inquiétez pas. Tellement qu'elle a bien fait la coiffure. C'est pas les perruques banan en bas des maniocs là. Quand tu fais ça, ça tombe là. Non, regardez la perruque. Non, la perruque est posée. Regardez. Cette perruque là, tu peux aller faire par là, ben ça même ta rivale ne peut pas enlever. Tellement que la perruque est posée. Tranquillement, tranquille. Comment vous me trouvez? Je suis belle, non? Dites-moi si je suis belle. Tranquille. Oh, dites-moi si je suis belle, il y a quoi? J'ai tellement attendu, Lolo Beauté, tu n'es pas jolie. Moi, je suis jolie comme ça, ça vous fait mal ou bien? Tranquille. Voilà. J'adore. Tranquillement, tranquille. Voilà. Jolie n'est pas jolie. Tranquille. Tranquillement, tranquille. Vous n'avez pas dit que vous êtes affairé. À Paris, il est vous donner affairage. Tranquillement. Voilà. J'adore. Tranquillement, tranquille. C'est bien la sauce. C'est bien efficace. Voilà. C'est bien efficace. Merci. Je vous aime, je vous adore. Tranquillement, tranquille. Voilà. J'adore. Colette Nana en train de laisser son adresse pour toutes celles qui veulent faire leurs cheveux. Voilà, allez-y faire vos cheveux. Les femmes, réveillons-nous. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Aujourd'hui, la femme qui a l'argent, garçon ne peut pas faire malin sur toi. Quand garçon dit prends, tu dis ferme ta bouche. Quand garçon dit 30, tu dis mais bébé, tu t'embrouilles pourquoi? Il faut te calmer. Tu as quel problème et puis tu sautes, sautes. Toi-même, tu fais sortir les pieds des bancs comme cela. Et puis lui-même, il se calme comme cela. On dit l'argent ne répond pas à tous les problèmes. Mais l'argent est un S essentiel. À cause de l'argent, je donne à voler 250 euros. Pour vous dire que l'argent est important, allez-y chercher l'argent, mes soeurs. Tranquillement, tranquille. Les produits sont vendus à Courbevoie. Toutes celles qui veulent les produits, contactez-moi. Celles qui veulent vendre mes produits, il faut avoir 5000 euros. Si tu n'as pas 5000 euros, il ne faut pas penser même en rêve même que tu peux vendre les produits de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Parce qu'on connaît les femmes. Souvent, j'ai peur de donner mes produits en gros. Parce que quand les femmes là prennent les produits, ça s'en va remélanger. Voilà pourquoi, quand je ne vous ai pas donné le numéro de quelqu'un pour vous dire, allez-y, payez produit à cette personne. Hein? N'allez pas. On ne sait pas qu'est-ce que cette personne a mis dedans. Tranquillement, tranquille. Donc, à demain pour le direct. Aujourd'hui, c'était un petit affairage.
tranquillement, tranquille. C'est Lolo beauté ou rien. Mon ami, range-toi sur le côté.